sais qu'il est armé. Une chose terrible est arrivée. Que s'est-il passé ? Le cargo qui transportait la collection du professeur Van Berry a disparu en mer. Je suis désolée, Hélène. Je viens d'apprendre que le laboratoire qui fabriquait votre médicament a décidé d'arrêter la production. Pas assez rentable, je suppose. C'est à peu près ça, en effet. Mais nous... Inutile de vous fatiguer, docteur. Nous savons très bien toutes les deux que sans ce traitement, je ne tiendrai pas longtemps. Hélène, vous devriez rejoindre notre service de soins. Hors de question. Je vis depuis toujours avec cette affection qui détruit mon sang. Je sais ce qui m'attend. Anémie, fatigue, vertige, cauchemar, hallucination. La liste est encore longue. Mais je veux continuer à vivre normalement jusqu'au bout. Je comprends. Prenez cette plaquette, c'est la dernière qui me reste. Et si vous changez d'avis, vous pouvez compter sur moi. Merci, docteur. Hélène, vous vous souvenez du naufrage qui a coûté la vie du professeur Van Berry et vu sombrer les 15 toiles de sa collection, les 15 tableaux qu'il devait nous céder. Bien entendu. Eh bien, nous venons d'apprendre qu'une des peintures aurait réapparu à Budapest sur le catalogue d'une vente aux enchères. Je veux que vous vous rendiez sur place pour l'authentifier. Bonjour, commissaire Laszlo. Bonjour. Oui, c'est bien moi. Vous devez être l'expert envoyé par le Metropolitan Museum de New York. Exactement, je m'appelle Hélène Cross. Je viens examiner le tableau que vous avez retrouvé. Ravi de vous accueillir à Budapest, mademoiselle Cross. Le tableau est sur le chevalet. Il n'y a pas de doute. C'est bien le tableau Whitby de Turner que le professeur Van Berry avait cédé au musée. Alors, vous avez l'air d'être arrivé à une conclusion ? Oui, il n'y a aucun doute. C'est bien une toile de Turner. Vous devez être soulagé. En effet, si cette toile a pu échapper au naufrage, c'est que le reste de la collection doit aussi être au sec. Les autres pièces risquent d'être difficiles à retrouver. Il est rare que les voleurs se montrent aussi imprudents. Si vous en avez terminé avec la toile, il vous reste à l'emballer, la sceller et la mettre au coffre. Je dois rester là pendant la procédure, mais c'est à vous de le faire. Bien entendu, commissaire. Il faut d'abord que je le protège et que j'appose les scellés.
Il faut d'abord que je le protège et que j'appose les scellés. Il faut d'abord que je le protège et que j'appose les scellés. C'est l'enregistrement de la déposition du suspect ? Non, il n'a rien voulu nous dire. Cet enregistrement a été effectué dans la cellule du suspect. D'après le gardien, Friedland parle dans son sommeil. J'ai donc fait poser des micros dans sa cellule, au cas où. Mais la bande est endommagée et inaudible. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je pourrais essayer d'en tirer quelque chose. Le technicien qui devait s'en charger est malade. Alors si vous pouvez me faire gagner du temps, je n'ai rien contre. Je finis avec le tableau et je m'en occupe.
Avec du matériel de cette qualité, je devrais pouvoir restaurer facilement la bande enregistrée dans la cellule du suspect. Avec du matériel de cette qualité, je devrais pouvoir restaurer facilement la bande enregistrée dans la cellule du suspect. Le pêtre doit se remettre à l'âpre. Prince de Médine.
le peintre doit se remettre à l'œuvre. Prince de l'exil, à qui l'on met du tort et qui toujours de notre esprit fort. J'ai payé mon devoir. Mon proche, le maître, son mémoire. Bien sûr, le peintre doit se remettre à l'œuvre. Collection Van Berry. C'est une grande perte pour le musée. Certaines de ses toiles valent des millions, même s'il faut bien reconnaître que l'ensemble est plutôt morbide. J'espère qu'on retrouvera un jour toutes ces peintures. J'espère qu'on retrouvera un jour toutes ces peintures. Laszlo devait avoir quelque chose à faire. C'est le moment ou jamais de jeter un œil au dossier de Fridlund. Thank you.
Le directeur du musée veut que je lui ramène un maximum d'informations sur le voleur. Il faut que je consulte le dossier de Friedlund et de ses éventuels complices. J'ai bien peur que vous ne puissiez lui parler. Friedlund vient de mourir. Que s'est-il passé? Je dirais un suicide, mais il y a quelques détails troublants. Je peux entrer? Oui, vous pouvez venir. Mais faites attention à ne rien toucher. Et je vous préviens, c'est pas très joli à voir. En effet, on ne peut pas dire que la mort lui ait apporté le repos. Je n'ai jamais vu une expression de terreur pareille sur un cadavre en 20 ans de carrière. Regardez, commissaire. Il est tatoué, je sais. Ça n'a rien de bien original pour un homme qui a fait de la prison. Sans doute. Mais je trouve celui-ci particulièrement minimaliste. Il s'agit peut-être de la marque d'appartenance à un gang. Un signe de reconnaissance? Ce n'est qu'une hypothèse. Tous les tatouages n'ont pas de signification. J'ai restauré l'enregistrement que vous avez effectué dans la cellule de Friedlund. Il dit qu'il a failli à son devoir, évoque une ombre qui approche et un maître qui veut son miroir. C'est intéressant, mais maintenant qu'il est mort, ça ne sera plus très utile. La dernière phrase qu'il prononce m'a semblé familière. Ô prince de l'exil à qui l'on a fait du tort et qui, vaincu, toujours te redresse plus fort. Ça vous dit quelque chose? Non. On dirait de la poésie. Vous avez raison, ça sonne un peu comme du Baudelaire. Vous ne pensez pas qu'il pourrait s'agir d'une mort naturelle? Friedlund a été examiné par un médecin hier. Il était en parfaite santé. Mais il l'a trouvé déprimé. Si vous saviez le nombre de prisonniers qui se donnent la mort... J'imagine. Mais vu son expression, je crois que cet homme n'était pas préparé à ce qui lui est arrivé.
Vous avez parlé de détails troublants. Toutes les caméras de surveillance du commissariat sont tombées en panne quelques minutes seulement avant le décès de Friedland. En effet, c'est inquiétant. Soit vous avez de gros investissements à faire en matériel, soit quelqu'un d'ici a coupé le système vidéo. Regardez, on dirait qu'il a frotté le bloc de savon sur une surface abrasive. Contre un mur, peut-être. Ils sont couverts de crépi. Vous avez raison. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Pour écrire ou dessiner quelque chose? Il faudrait de la poudre sombre pour vérifier. Il y a de la poudre à empreinte et un pulvérisateur dans le placard du couloir. Je vais les chercher. Voici les clés. Vous pourriez prendre aussi un appareil photo avec? Bien entendu. On dirait que c'est ici que Friedland s'est servi du savon. Jön Hogi Megeljön. Ça vous dit quelque chose? Il vient pour me tuer. C'est du hongrois, et ça n'arrange pas vraiment mes affaires. Merci beaucoup. Sans vous, je serais peut-être passé à côté de ce message. Ça ne simplifie pas vraiment la situation. Non. En effet, ça relance la thèse du meurtre. Pourriez-vous prendre aussi un cliché du corps? Bien entendu. Commissaire, avec votre permission, j'aimerais téléphoner à mon patron avant de partir. Bien sûr, allez-y. Je suppose qu'il attend des nouvelles du Turner. En effet. Merci beaucoup pour votre coopération. Et bon courage pour la suite de l'enquête. C'était un plaisir, Mademoiselle Cross. Et si j'ai de nouveaux éléments concernant les tableaux de la collection Van Berry, je vous le ferai savoir.
Ça ne va pas. Avec le décalage horaire, je n'ai pas pris mes médicaments. Direction du Métropolitain, j'écoute. Bonjour, monsieur le directeur. C'est Hélène Cross. Bonjour, Hélène. Alors, comment se passe cette authentification ? Très bien, monsieur. Il s'agit bien du tableau de Turner, je n'ai aucun doute. Excellente nouvelle. Quelqu'un s'est emparé de la collection avant le naufrage. Nous avons donc une chance de remettre la main dessus. Exactement. Mais pour l'instant, la police hongroise n'a pas de piste menant aux autres tableaux. Ce n'est pas grave, ça viendra. En attendant, j'ai une autre mission pour vous. L'assistant de Van Berry a trouvé une information troublante. Le professeur nous aurait fait expédier une toile de plus que ce qui était prévu. Mais il est incapable de nous dire de quel tableau il s'agit. J'aimerais que vous vous rendiez à Whitby, au manoir Van Berry. Vous y trouverez peut-être quelque chose nous permettant d'identifier cette toile. Je prends le premier vol pour Londres. Je vous contacterai une fois sur place.